D'abord les parents, ils décident de mettre leur enfant ensemble. Et puis l'église vient pour la bénédiction. Et quand on finit, on va signer les papiers. Mais c'est pas aussi mauvais. On va arranger tout ça. Nous sommes là pour arranger. J'ai dit que l'église est là pour arranger. Nous pouvons tout réparer. C'est ça qui est décidé, que ça soit ici, pas devant le maire. Non. Je ne veux même pas que le camp place les alliances. Non, ce n'est pas possible. C'est sacré. Amen. Parce que vous êtes liés à vie. Et tout à l'heure, j'aurai l'occasion d'expliquer le mystère du mariage. Ce qui est dans le mariage. Amen. D'autres sont rentrés, sont ressortis en pleurs. D'autres sont ressortis avec les espadras. D'autres sont ressortis avec les blessures. Tout ça. Et puis chagrin du cœur. La déception de la plus grande des maladies. Qui est d'accord avec moi? C'est la plus grande des maladies. Tu crois même plus à l'homme, tu crois même pas à une femme. Tu n'as pas dit, monsieur, pardon. C'est vrai que tu as des belles paroles, tu parles bien, mais vraiment, j'ai peur. C'est la plus grande des maladies, la déception. Et beaucoup sont ceux qui sont déçus comme ça, parce qu'ils n'ont pas bâti sur tous les christianismes. Ils n'ont pas laissé Dieu conduire les choses. Amen. Vous êtes bénis parce que les nénis, on va vous débarrasser de ça, amen. Amen. On va plus sécuriser le mariage. Alléluia. C'est pas qui veut dans le mariage, c'est les hommes responsables. C'est les hommes responsables qui rendent le mariage. Donc ça, c'est une erreur où certaines personnes, à cause de papy, ils vont faire des mariages arrangés. C'est une erreur. C'est une erreur. Vous qui m'écoutez là, parce que sur mes vidéos, vous qui m'écoutez, une erreur. Non, parce qu'on a envie de voir papy, on arrange un mariage, et puis on s'en va. Bon, mais le lien, c'est lié. Et vous êtes lié à vie. Et ça va vous compliquer, parce que vous devez voir le puits, vous décidez d'aller devant le maire, vous vous unir. Ne jouez pas le mariage. Amen. C'est la chose de quel jour ne s'amuse pas. Amen. C'est ça Dieu a commencé dans le jardin, le mariage. Alléluia. Je vous dis, c'est un enfant, vous êtes en train d'introduire le message. Nous sommes là, c'est pour une cérémonie, c'est pas une question de ah, des mensonges, sorciers, vous parlez, t'as mangé qui? C'est mariage, amen. Voilà, c'est pour bénir le mariage. Alléluia. Soyez bénis. Je pense que vous avez bien réfléchi. Amen. Parce qu'on parle du foyer, là, il y a le feu là-bas. Moi, je n'ai pas touché le feu. Oui, si on parle du foyer, il y a le feu. Tu es convaincu qu'il est désarmé. Ça ne paye pas. Vous voyez, parce qu'il y a des armements de bouche. Les femmes sont beaucoup armées dans la bouche. Il peut y avoir 1024, il peut y avoir un sloquet, il peut y avoir beaucoup de choses. Est-ce que tu es d'accord, tu es convaincu qu'on a les armes? Amen. Ouais, parce que ça va arriver où il y aura tellement de choses, le maire a essayé de bosser ça, tout ça. Mais je pense que Jésus-Christ est Seigneur, si vous mettez Jésus-Christ au centre de tout. Mais le message, vous allez écouter beaucoup de choses. Amen. Vous êtes ici au centre d'écoute du cabinet du prophète Crasso que je suis. Nous avons tous les cultes les dimanches d'ailleurs ici. Notre spécialité, c'est la destruction des œufs de la sorcellerie. Moi, je ne fais que ça. C'est mon travail, Dieu m'a donné. C'est avec passion, je suis content quand j'ai fait ce travail. Il n'y a pas un sorcier, ce n'est pas de l'orgueil. Le pouvoir, ça ne se discute pas. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Pourquoi il dit orgueilleux? Non, il dit, t'a donné le pouvoir de marcher sur eux. Il n'a pas d'aller s'asseoir. Il dit de marcher sur eux. Non, je suis fier, avec fierté de parler. Aucun sorcier ne me moigne. Il n'a pas. Il n'est même pas encore, il ne sera jamais créé. Donc, si tu donnes ton pouvoir, lui, il va te renverser. Moi, je ne vois pas un sorcier qui veut m'écraser. Il n'existe même pas, il n'est même pas encore. Je le cherche jusqu'à Jésus. L'église a un pouvoir. Si vous dormez avec ça, Satan va marcher sur vous. Amen. C'est tout. Sorcier, c'est des comédiens. Et notre travail, notre la spécialité de ce ministère, c'est la destruction des œuvres de la sorcellerie. Donc, il y a beaucoup de villages, la Côte d'Ivoire, beaucoup de régions. Ce n'est pas du bloc, hein. Ah, il avait parlé de sorcier. Ce n'est pas du bloc. Et les sorciers moraux dans les yeux, comme ça, sont tombés. Ils ont saigné la bouche, comme des boulards. Saigner les bouches. Moi, j'ai déjà vu là. C'est maintenant ça vient. J'ai vu sorcier saigner les bouches pour elle. Amen. Vous voyez, quand un sorcier expérimente la puissance de Dieu, il s'est converti véritablement. Nous sommes là pour démontrer la puissance de Dieu. Alléluia. Si Dieu ne fait rien dans ta vie, ton entourage ne croira même pas en Dieu. Notre ministère, c'est la destruction de la sorcellerie. Nous libérons les sorciers de cette maladie qu'on appelle la sorcellerie. Nous les éduquons parce qu'on ne les mange pas. Non, ils sont possédés d'un esprit. Amen. Quand ils viennent ici, ils viennent du tube. Parce qu'un sorcier est un danger, non seulement ça pour sa maison, pour sa famille et tout ça.
Et chaque homme de Dieu a un don, un ministère. Notre spécialité, c'est la destruction des hommes de la société. Si tu connais un sorcier qui t'amène, il ne veut pas changer, viens me voir. Je lui donne 3 jours. Je sais comment tuer le sorcier, comment l'arranger. Parce que nous avons le pouvoir du ciel et de la terre. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre, je vous envoie. Il dit, tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans les ciels. C'est tout. Tout ce que vous liez sur la terre sera lié. C'est le pouvoir qui a l'église. Le deux pouvoirs. Le ciel s'est écrit, il ne s'est jamais arrangé. Amen. Ne dormons pas sur le pouvoir que Dieu nous a donné. Amen. Ce moi, je lance tous les défis au Messie. Je n'ai pas peur. Non. Pourquoi? Parce que je sais en plus, j'ai cru. Moi-même, en tant qu'homme de Dieu, Jésus m'a écrasé tous les sorciers, il y a eu témoignage. C'est pour ça qu'il me suis donné à Jésus. J'ai laissé là et là, il a là, j'ai laissé tout ça pour ceux de Dieu. Moi, je ne suis pas né pour être chrétien. Non, t'es musulman. Ça ne m'intéresse pas, le christianisme d'ailleurs. Ça ne m'intéresse pas. Si on parle du paradis, le pasteur m'a dit, tu es venu par le paradis, puis paradis, là, chez nous, on y est pas. Le paradis. C'est ce qui n'existe pas dans la vie, je suis venu expérimenter. Si Jésus ne me guérit pas, allez-y, prenez votre Jésus, allez-y avec lui, tranquille. Et quand Jésus m'a guéri, mais pour moi, il était infecté, et Jésus m'a guéri, il m'a montré, à plus, mais qu'il était puissant. Mes sorciers ont commencé à tomber, parce que quand les sorciers ont commencé à m'attaquer, mes parents voulaient m'orienter au Mali, moi, j'ai côté malien. Mali, il fallait voir Nassigiri, mais le plus grand buveur de Nassigiri, il est mort, non, papa. Ils l'ont mangé avec les 6. Les sorciers sont en train de me briser, vous voulez qu'on parte voir Nassigiri. Buveur de Nassigiri. Et puis, on m'a proposé Jésus. Et Jésus-Christ m'a délivré. Amen. Amen. Si le sorcier arrive à te tuer, c'est que Jésus n'a jamais été bon. C'est ça de la vérité. Amen. C'est que Jésus n'a jamais été bon. Moi, j'ai dormi un sorcier dans la même villa. C'est lui qui va sortir de la République. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Amen. Nous, si on nous bénissons sur la sorcellerie, mais donc, il sort à la sorcière. C'est quand il veut aller au village qui font gérer les prières. Et là, on s'enchaîne, on confesse tous les petits péchés bizarres qu'on a fait. Seigneur, tu sais que j'ai péché, je suis comme ça. Quand on arrive au village, on ne dort plus, on veille. Et là, on a vu une vie de prière. Bon, sur le contraire, quand il va là-bas, il dort. Amen. Parce que la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe au-dessus de tous ceux qui le craignent, les arabes, les dangers. Amen. Dieu me protège. Il protège tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Dieu a quelqu'un, tu es béni. Alléluia. Amen. Dieu a quelqu'un, tu es béni. Dieu a quelqu'un, tu es béni. Amen. Amen. Je voulais dire merci à Edith. Voilà, c'est lui qui a offert ce micro-là. Elle est juste derrière. Tiens-toi de vous, Edith. Voilà. Edith, c'est merci. Ça n'est pas cette histoire. Mais on est allé juste intervenir dans son village. On est allé intervenir là quand on le rencontrait. C'est à partir de Daloa que cette histoire des arbres est venue. C'est oui, ça je te rends compte de cette histoire. Je te donne le temps d'aller pour une intervention. Et puis, Elisabeth nous a appelé pour qu'on parte. J'ai donné une révélation et c'est parti de là. Sinon, c'est à cause d'elle que je m'a montré. Je disais comme ça à Philippe, je connaissais Belleville. Elle a dit Belleville. Voilà, je connais voilà, bien. Elle est arrivée de Paris, je pense, après 5 semaines, non 5 jours. Voilà, 5 jours. Elle nous a envoyé un micro. Et là, celle qui nous a envoyé la dernière fois avec les Bibles. Celle qui nous a envoyé la dernière fois les Bibles. Voilà, donc Edith soit béni. Amen. Amen. Nous aussi la présence du pasteur. Homme de Dieu. Ici. Voilà, que Dieu bénisse. Vous allez écouter la parole de Dieu. C'est un culte, c'est pas une question de veiller, on vient, on fait des délivrances. Voilà. Le culte ne doit pas ressembler à une veillée de délivrance. On a des séances de délivrance. Nous mettons beaucoup d'accent sur l'enseignement. Alléluia. Amen. Beaucoup sur l'adoration. Beaucoup. Amen. Je ne vais pas voir les Bibles là. Hein. Monsieur, je te tiens debout. Ouais, j'ai eu un message pour toi.
par rapport à ton travail. Faut qu'on règle ça. Sinon, tout est réglé pour que tu sois chassé de ton travail. Je vais te parler ça tout à l'heure. C'est une œuvre de la sorcellerie. Il vient d'Italie pour qu'on règle certaines choses. Je vais te parler ça tout à l'heure. On va bouger ça. Tu as compris? Je te bénisse. Donc, comment vous dire? Je vais vous montrer les Bibles. C'est merveilleux, ce que Dieu fait. Son précieux livre. Montrez son précieux livre. C'est merveilleux, ce que Dieu fait. Son précieux livre. Est toujours vert. Quand on y croit. Je sais que la vie est vraie. Alléluia. Je sais que la vie est vraie. Oh, elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Alléluia. Amen. Jésus dit ma parole est esprit et vie. Alléluia. Amen. Nous devons méditer la parole de Dieu. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, aussi de la parole de Dieu. Lève ta Bible. Monte ta Bible et dis merci au Seigneur pour cette parole. Amen. Alléluia. Vous devez aimer la parole de Dieu. Il y a une femme qui est arrivée l'année dernière de Paris, c'était Dieu. Je voulais juste prier. J'ai dit, Bobby, il m'a dit, mais j'ai laissé ça. Il dit, ça veut dire quoi? Elle dit, non, mais j'ai laissé. Elle dit, mais et ton portable? Pourquoi t'as pas oublié le portable et tu oublies la Bible? Elle dit, nous mettons souvent Dieu au second plan. C'est quand on a des difficultés et nous pensons que c'est Dieu qui nous recherche. Non, il est l'alpha et l'oméga. C'est pour ça qu'il faut commencer toujours par la prière et terminer par la parole de Dieu. Il faut lui parler. Et ça, c'est important. Alléluia. Il y a des gens qui ne grandissent pas, qui ne petit pas, sont encore toujours des bébés spirituels. Les sorciers les mangent vite, vite. On les prend comme des croquettes. C'est vite. Quand il lui passe ça, il te met un bras. Tu n'as pas de sa famille, il t'a bien mangé. Il ne cherche même pas à savoir c'est qui, c'est propriétaire de qui. Il te voit déjà en chouvrière, il te suit à qui te demande. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons parler de la femme qui nous apporte le bonheur. Amen. Amen. Nous sommes en train de célébrer un mariage. Le mariage, c'est l'union de deux personnes, d'un homme et d'une femme, qui décident de se mettre ensemble, de vivre une vie. Amen. Amen. C'est Dieu qui a instauré ça depuis le jardin. Vous savez, c'est Dieu qui a senti le besoin, pas l'homme. La Bible dit que Dieu a vu qu'Adam était seul. Il était seul. Ça ne marchait pas. Il va les lions, il va les fruits, il dort seul. Je dis non, il y a un problème là, sur les choses. Il va faire dormir Adam, il va faire sortir Ève. Amen. Ève qui veut dire femme. Vous comprenez? Donc la femme a été faite pour l'homme. Pour combler un vide. C'est pour ça que j'ai parlé beaucoup de la femme ce matin. Amen. Si, j'ai parlé de ça tout à l'heure. La femme, là, Dieu l'a créée. Pour combler le vide de l'homme. Parce que tu as senti que tu avais un problème. C'est pour ça que moi, François, je suis contre l'égalité des sexes. Cette loi-là, c'est anti-public. Dans la même maison, la femme, on ne sait pas qui est patron. Madame est patron, monsieur est patron. Moi, j'y compte ça, parce que c'est anti-public. C'est une loi franc-maçon. Et c'est ce que les gens veulent imposer ici. Parce que c'est peut-être même loi franc-maçon nous dit la liberté, il faut que deux hommes se marient. Vous savez, je vous parle d'un mariage qui est entre un homme et une femme. C'est ce qui était sauvé dans le jardin. C'est pas entre deux hommes. C'est une abomination. Et malheureusement, aujourd'hui, les gens célèbrent le mariage. Deux hommes en train de s'embrasser, abomination. Il y a un enseigne. What? Deux hommes. Mais c'est terrible.
C'est lui. Tu le mets, dis-moi, tu décides d'épouser, oui. Oui. Puissant. Et Dieu. Ils sont contents. Son mari. Et puis c'est les gens-là qui cherchent à adopter les enfants. Mais oui. Le mariage est entre un homme et une femme. Dieu a senti le besoin de l'homme. Il a créé une femme. On appelle Ève. Femme. Ça veut dire femme. Ève. Pour combler le vide. Ce n'est pas un homme et homme. Une femme et femme. Et en Europe aujourd'hui, c'est grave. Heureusement que ce n'est pas dans notre culture africaine. C'est difficile pour nous-mêmes d'accepter ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc entre homme et homme, c'est une abomination à l'Éternel. Ça ne doit même pas se célébrer. Même pas, ça ne doit même pas l'enjeu d'un débat. Tous les amants au Vatican, les gens commencent à. Non, ça ne devrait même pas être lui. Parce qu'il y a notre miroir. C'est la Bible. La Bible dit quoi face à ça. Amen. Amen. Donc l'homme, la femme a été créée pour aider l'homme. Alléluia. Amen. Et un homme a sa femme. Chaque homme a sa femme. Tu ne sais jamais tromper. Tu ne se trompes jamais. Quand tu ne tombes pas sur la femme de ta vie, il y a un problème. Dis amen. Amen. Dis amen. Amen. Il va avoir un problème. Et c'est une corde de l'homme. Et malheureusement, on tourne partout. C'est d'où vient. Pour ça, il vient. Pour le dragon, lui, il vient. Ben lui, il embrasse grave. Amen. Amen. Maintenant, ton mari vient, c'est ton flogo, là, il ne veut pas. Celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Nous prenons le proverbe. La femme doit apporter le bonheur à son homme. Amen. Proverbe. Nous prenons Proverbe 19, le verset 14. Proverbe 19, le verset 14. On écoute très bien parce que ce matin, il y a une onction de mariage. Dis amen. Amen. Le monsieur où il est caché, il ne te voit pas. Elle va commencer à te voir. Amen. Dis amen avec moi. Elle va commencer à te voir. Alléluia. Les mages depuis l'Orient ont vu l'étoile de Jésus. C'est pas Jésus qui allait vers eux. Ils ont vu l'étoile de Jésus, ils sont allés jusqu'à adorer Jésus. Toi tu cherches, c'est lui qui va te chercher maintenant. Dis amen. Amen. Depuis là, il va venir. Dieu l'a appelé, il va venir te chercher. Amen. Allons-y, Proverbe 19, verset 14. Allons-y. Proverbe 19, verset 14. Mm-hmm. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Mais une femme intelligente. Est un don de l'Éternel. Voilà, on parle des femmes intelligentes, mais je préfère 18, 22 d'abord. 18, 22, avant d'accepter. 22, 18, 22. Lui, pardon, oui, mais... celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Alléluia! Amen. Vous savez, le proverbe a été écrit par Salomon. Et vous connaissez l'histoire de Salomon, c'est quelqu'un qui a une expérience en matière de femmes. Amen. Il est mieux placé pour nous parler de femmes. Et quand vous lisez le proverbe, on parle beaucoup de femmes dedans. Quelqu'un qui a eu 300 femmes, il a eu 700 copines. Il est très dangereux. Amen. Il a eu 1000. Il a eu une copine, celle qui n'a pas encore doté, hein, mais elles sont là. Elles sont officiellement connues. Il a 1000 et 700 copines. Chacune a sa maison. Il sait que sa joie est là, oui, il est là, pour sa copine. Il y en a 300 femmes. Amen. Mieux placé pour nous parler de la femme. Il dit, celui qui a eu la femme a trouvé le bonheur. Il n'a pas eu celui qui a eu un homme. Amen. Amen. Parce que par moi, il est parti dans les endroits où il y a eu le feu. La femme doit porter le bonheur à l'homme. Amen. C'est la femme qui fait tout. Et quand vous regardez dans le mariage, la femme a fait 70% de l'homme. C'est pour ça que quand une femme est absente dans une maison, il y a un problème. Ok. Amen. 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 Quand une femme est absente dans une maison, il y a un problème. Alléluia. Amen. Et la femme doit apporter le bonheur. C'est-à-dire, elle est là dans ta vie, elle apporte le bonheur, la joie. C'est pas pour faire parler avec toi. C'est pour t'apporter le bonheur. C'est pas vous venir, on dit quoi? Toi, tu pensais quoi? C'est toi, ceux qui a parlé comme ça dans la maison. Moi, il n'y avait rien dit. Je suis venu m'apporter le. Amen. Amen.
femme. Celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Amen. C'est ça le problème. Quand tu n'apportes plus le bonheur à une maison, on oublie de venir, dégage et sort. Parce que c'est le bonheur qu'une femme doit apporter. Elle doit s'arranger pour qu'il y ait le bonheur dans la maison. Dès qu'il y a le feu, elle est prête à éteindre ça. C'est pour ça que la Bible déclare que la femme soit soumise. Et l'homme, le rôle de l'homme, c'est d'aimer sa femme. Et là où il y a l'amour, on supporte tout. On supporte. Allez, tu as bien réfléchi, Zadie. Tu as bien réfléchi. Tu as réfléchi. Tu as réfléchi. Tu as réfléchi. Tout qui dit son besoin quand on est à la maison. Donc il faut supporter. C'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure, est-ce que ça a été désarmé? Sinon, il y a une sorte de désarmement de bouche ici. On peut annuler les 1024 qui restent encore. On peut faire un message, il n'y a pas de problème. S'il y a encore des poudrières, on peut débarrasser. Amen. Celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. On dit Amen. La femme doit apporter le bonheur à son homme, pas le chacun. C'est-à-dire qu'elle vient partager la même souffrance que lui. Si la souffrance, elle partage, elle apporte quelque chose. C'est un plus. Parce qu'il y avait un vide, elle est une aide. Elle vient l'aider à accomplir beaucoup de choses. Va créer des problèmes à l'homme. Amen. C'est pour ça qu'elle est bonheur. Amen. Amen. Elle va aider le monsieur. Même dans les dépenses. Mais je ne vous dis pas que c'est la femme seule qui doit gérer la maison. Non. C'est vraiment dangereux. Que vous laissez toutes les dépenses à une femme. C'est dangereux. Parce que c'est le norme. C'est l'échec de la maison. Vous m'avez bien compris. Il n'est jamais la femme dans le contrôle des finances. Sinon, elle va prendre la place. Si vous laissez la femme prendre le contrôle des finances, elle prend la place de l'homme. Parce que l'argent, c'est le pouvoir. Et c'est toi qui as le pouvoir. Dès qu'elle commence à détenir ce pouvoir, c'est fini. Tu l'as dit hier, tu dis 5. Mais c'est la vérité. Ne négligez jamais ça. Vous devez vous battre. Parce que vous pouvez réfléchir. Tu allais prendre l'enfant des gens. Ce n'est pas pour venir manger gari. Je suis désolé. C'est l'histoire de gari. Ça, c'était quand tu étais célibataire. Tu venais gari à Pierre. Tu as bien réfléchi pour envoyer l'enfant des gens. Tu vois comme elle est. Je ne vais pas payer la maîtresse. Elle va maigrir, tu vas aller donner à Tiki Garba ma question. Elle vient de Paris. Elle doit bien manger. Tu as bien réfléchi, bien calculé. Et tu as décidé de poser une part. C'est pour l'aider. Alléluia. Elle a son tour, elle a apporté le bonheur. Ça ne veut pas dire que c'est elle qui doit prendre les chats de la maison. Non. Vous devez même éviter ça. Et c'est pour ça que je suis contre les gigolos. Les gens sont là, c'est les femmes qui viennent. Mais ça veut dire, mais ça. Tu dors, et puis c'est des hommes, c'est des plongeurs, c'est-à-dire la femme, ils jouent le rôle de la femme. Celui qui lave la sieste, celui qui suivait les enfants, et ça c'est mon complot. Et là, c'est la femme qui fait tout, mais elle sera maître de la maison. Une fois qu'on détient l'argent, c'est lui. Amen. Non. Elle vient juste te dire, c'est pas de ce qu'elle doit se laisser tout cette charge à l'homme. Elle vient juste te dire, mais c'est l'homme qui doit avoir le pouvoir. Non, c'est vrai, c'est l'homme. S'il n'y a pas, on va créer une situation où c'est l'homme qui aura plus d'argent. C'est pour ça que maintenant, vous ne devez rien vous cacher. Vous ne devez rien vous cacher. Toi, tu es bien. Tu vas dire à madame. Maintenant aussi, tu vas dire tout ça. Si vous cachez les choses, c'est que c'est grave. Je vous ai bien écouté la dernière fois. On vous a posé la question. C'est une communauté de quoi? Une communauté de bien. C'est ça? Ok. On a posé la même question à la dame. C'est la même réponse. Elle a quoi? Parce que vous avez bien réfléchi. Elle va te présenter. Tout ça. Vous séparez. Tu devais construire une vie. Tu dois la protéger. Ça veut dire, elle apporte le bonheur. Mais toi, tu dois la protéger. Parce que tu as bien réfléchi. Et c'est ça. Une fois que tu ne protèges plus la femme, il y a problème. Là où vous êtes arrivé, là, c'est pas pour faire majorer. On peut faire ça dans fiançailles. Non, tu sais, il n'y a pas bien réfléchi. Mais là, c'est une question que tu as bien réfléchi, Zadie. La fille, elle doit bien entretenir. C'est-à-dire l'argent, tu vas te battre pour ça. Amen. Tu vas te battre. Ce n'est pas elle qui va courir, c'est toi qui vas courir, tu vas aider la femme. Amen. Nous nous mettons ensemble.
étudie les projets ensemble. Ne laisse pas ta femme dans le contrôle des finances. Non. Si tu n'as pas, demande à Dieu. Il va te donner ça. Parce que toi, il te fait cher. Et quand tu n'as pas le pouvoir financier dans le foyer, tu as un problème. Celui qui a ça, c'est lui qui devient cher dans la maison. C'est comme ça. Quand tu as l'argent, même tu es petit frère, tu deviens grand frère. Oh, bah, non, je suis là avec quoi? J'ai pas encore. Non, c'est moi, je suis là. Pourquoi tu parles mal? Pourquoi tu n'as pas. Et tu là, je pas si moi. Faut arrêter ça, hein. Dieu dit, la femme a qu'à sourire, mon cher. Tu n'as pas ça. Quand je suis là, c'est ça, on mange. Verset 3, les frères, pour faire sortir verset biblique. Vite, vite pour la condamner, le Seigneur me dit, ainsi par l'éternel, quoi soumis, tu es trop rebelle. Mon frère, t'as pas l'argent. Pas le titre verset biblique. Amen. Avec la femme. Ne laissez pas la femme prendre le contrôle de la maison. Même si elle a l'argent. Même si elle a ça. C'est toi qui cherches la maison. Tu dois la protéger, protéger même ses finances. Protéger son argent. Toi, tu le mets la maison. C'est ça. C'est pas une question de parler en langue, c'est pas parce que de la brigade, un petit sorcier, tu vas dire, voilà, non, c'est pas une question de brigade, un sorcier, c'est une question de chercher en bas l'argent. Oui, c'est un colonel de la brigade, c'est pas une question de brigadier, non, ça là, c'est plus une question de brigadier, là. C'est une question d'avoir l'argent, des transfert de sa maison. Et ça, il faut demander ça à Dieu. Il faut commencer déjà à mettre les choses en place. La femme aussi doit apporter le bonheur. Elle doit savoir parler à son homme. Et c'est ça le problème des femmes. Vous ne savez pas parler au bon moment. Vous ne savez pas communiquer. La première chose, il faut d'abord étudier l'homme. Ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. L'homme n'a pas que des défauts, il a aussi des qualités. Et les gens communiquent au mauvais moment. On n'a pas envie de t'entendre, c'est là que tu donnes un message. Très bien, bon, on ne peut pas prendre ça. Il faut étudier l'homme. Amen. Il faut savoir parler à l'homme. Tout contre l'homme est le chef de la maison. Amen. Et la femme doit expresser soumise. Respecter, ça veut dire respecter l'homme. Il faut savoir parler à l'homme. Il dit aussi à l'homme, comment commencer à te respecter, tu as ça. Le jour où tu vas mourir, ça c'est vrai. C'est comme ça, non. Tu vas tout laisser à la femme. Oh. Elle a dit en plus, c'est moi qui t'a dit, hein. C'est moi qui t'a dit. Et puis tu as venu dire, tu as parlé de Lévi. Voilà, lui, l'assiette. Voilà. Allez, fais-le, l'assiette. Va amener l'enfant à l'école. C'est pour ça là-bas, on met l'enfant à l'école. Pour chercher à avoir l'argent. Amen. Si tu veux avoir réellement avoir la solution d'avant. C'est ça, il y a les choses, c'est pas que les vivants, c'est les démons, des, si les maisons de Marie de nuit attaquent ma femme, tu n'as pas l'argent, tu vas l'avoir, démon. Tu sais. Il y a les choses que l'argent règle, puis il y a les choses que Dieu règle. Quoi le pouvoir, c'est ça? Pouvoir de la terre, c'est pas parler en langue. Non, il y a don spirituel, c'est la brigade anti-sorcier. Va venir dans ma maison, elle va t'écouter. Frère, je te dis la vérité. Tu veux les parents en fond des gens. Toi, tu parles pour avoir de l'argent pour l'entretenir. C'est pas une question de non, tu sais, puis en France, tout ça. Je t'ai posé la question. Femme, là, nous, c'est pas là en France. Tu l'as prise pour faire pas venir. Non, c'est pas chez les médias, ok. Moi, ma bouche là, ça ne gâte pas, c'est gros. C'est pas les jours. Est-ce que c'est parce qu'elle vit en France qu'elle est française que tu veux la marier? Il dit non. Il a aimé. Il dit ok. Ok. Un qui vit en France, c'est où? C'est vraiment, c'est pas bizarre. Hein? Mais oui. Tu veux être en mesure de t'occuper d'elle. C'est quels sont les petits conseils dans le secret, mais ne laisse jamais ta femme dans le contrôle des finances. Elle peut peut-être t'aider, mais ce n'est pas elle le chef de la maison. Elle est la chambre, chef, c'est toi. Et quand on parle de pouvoir de l'argent, si tu veux que ta femme voit ta femme soumise, frère, ce n'est pas une question de rien, tu sais, tu dois avoir l'argent. Dieu nous a donné l'intelligence de se battre. Vous savez, Dieu compte tes paresseux. Il dit que celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Et il y a des gens qui comme ça. Souvent les gens disent, mais tu ne dors pas. Il dit, mais moi je dois travailler. Mais je suis fait pour travailler. Si je ne travaille pas, il fait comment? Il faut travailler. Ne laisse pas sur ta femme. Celui qui fait de la merde. Non. Souvent les choses vont changer.
Là où il y a l'argent, c'est là-bas est le pouvoir. Donc ça vient réfléchir. Amen.